Ibrahim Assouli a alerté. Évidemment, Madina a brûlé. Qui peut contester que Madina n'a pas brûlé? Monsieur le président Alpha Condé, même hier, il a rencontré les communicants du RPG Arc-en-Ciel qui ne sont pas contents de M. Alpha Condé parce que ceux-ci disent que M. Alpha Condé ne les a pas soutenus. Donc la présidente de la République, là-bas, à la présidence là-bas, M. Alpha Condé reçoit même les députés de la mouvance du RPG Arc-en-Ciel. M. Alpha Condé, le jour où il veut être un véritable président, où l'article 37 de notre constitution va être respecté, il faut qu'il organise une élection au niveau de l'RPG Arc-en-Ciel pour nous dire qui est le président de l'RPG Arc-en-Ciel. Parce que moi, je peux m'adresser à M. Alpha Condé comme étant un adversaire politique parce qu'il est président de l'RPG Arc-en-Ciel. Le jour où il prendra la décision de mettre un président de l'RPG Arc-en-Ciel, il sera le président de la République. Parce que l'article 38, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la fonction du président est incompatible avec la fonction d'un président de parti politique. Nous sommes dans un procès politique, je vous ai dit. C'est une façon de voir est-ce qu'on peut s'intimider. Ils sont dans la logique du troisième mandat. Attaquer Ibrahim Assouli, attaquer, essayer de voir si on peut intimider les communicants de l'Église. Nous sommes prêts. Nous savons que Ibrahim Assouli est innocent. Je pense que cette dame qui est juge de ce procès-là prendra le courage à deux mains pour la paix. Si on le condamne, nous ne resterons pas les bras croisés, que ça soit très clair, parce que nous n'accepterons pas que d'une façon injuste qu'on prenne un militant de notre parti, un communicant, et le mette en prison. Voilà, ça c'est très clair.